En fait, ce qui nuit le plus aux Palestiniens, c'est l'occupation militaire israélienne, une occupation qui dure depuis 1967 et qui soumet les Palestiniens à toutes sortes de conditions de vie effroyables. Les checkpoints, les incursions militaires à toute heure du jour et de la nuit, les démolitions de maisons, au-delà de 25 000 maisons palestiniennes démolies depuis 1967, les terrains expropriés pour construire au-delà de 200 colonies et outposts jusqu'à présent dans les territoires palestiniens. Et donc, ce qui nuit le plus à l'économie palestinienne, c'est la chape de plomb de l'occupation militaire. De vouloir prendre des moyens pour mettre fin à cette occupation-là, c'est de chercher justement à une libération pour les Palestiniens.